Suite à ces obsèques, la préfecture impose un couvre-feu à 22h et la fermeture de l'arsenal. Le travail reprend le lendemain. Travaille à la main, épuise les organismes, travaillant dès l'aurore quasiment jusqu'au point du jour. Dimanche pour seul repos, on n'a pas de temps pour les loisirs. Travaillant dès l'aurore quasiment jusqu'au point du jour. Dimanche pour seul repos, on n'a pas de temps pour les loisirs. Travaille à l'arsenal, gagner ta vie ne sera pas sans frais. Travaille à l'arsenal, gagner ta vie ne sera pas sans frais. Comme ouvrier du port lessivé, à la fin de tes jours, dimanche pour seul repos, on n'a pas de temps pour les loisirs. Comme ouvrier du port lessivé, à la fin de tes jours, dimanche pour seul repos, on n'a pas de temps pour les loisirs. Ton éternel repos viendra bien vite sans le choisir. Dimanche pour seul repos, on veut du temps pour les loisirs. Ton éternel repos viendra bien vite sans le choisir. Dimanche pour seul repos, on veut du temps pour les loisirs. Ton éternel repos viendra bien vite sans le choisir. Dimanche pour seul repos, on veut du temps pour les loisirs. Ton éternel repos viendra bien vite sans le choisir. Dimanche pour seul repos, on veut du temps pour les loisirs. Arrivé au pouvoir, le gouvernement du Front populaire annonce l'aide. Maintenant, vous invitez à danser. Rien de bien compliqué, faut savoir marcher. Faut suivre le petit train mené par Michel avec la casquette devant.
Et ceux qui ne peuvent pas danser ou qui ne veulent pas, vous pouvez regarder, il y a trois façons de danser la même danse. En version Java, en version Scottish et en version traditionnelle au fond. N'hésitez pas à venir avec nous. Monsieur le conseiller régional, Madame la sénatrice et présidente des petites cités de caractère de France et de Bretagne, Monsieur le président du pays de Châteaugiron Communauté, Madame la secrétaire générale de l'association des granites de Bretagne, Mesdames les présidentes de Castelactive, Madame Élise Boucher, puis Angélique Ivanaise, Mesdames et Messieurs les commerçants, Mesdames et Messieurs, c'est sous le soleil et avec un immense plaisir que nous sommes réunis aujourd'hui pour enfin inaugurer et célébrer notre nouvelle place de cœur de ville, la place des Gaz. Il va sans dire que nous étions tous très impatients de pouvoir organiser cette belle journée, mais si nous avons attendu, c'est que l'inauguration était aussi conditionnée à la réalisation du monument aux morts, dont le projet a connu de nombreux rebondissements. Le monument aux morts qui est enfin terminé, qui sera inauguré le 8 mai à l'occasion des cérémonies du monument. Depuis 2020, l'année de démarrage du chantier, nous avons subi les événements, les uns après les autres. Mais la persévérance vient à bout de tout, et je remercie M. Pascal Guisset, adjoint aux travaux et à l'urbanisme, pour le temps passé auprès et avec les entreprises pour un suivi très efficace de ce long chantier. Avec les commerçants, l'association des anciens combattants, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur cette très agréable place des Gaz. Du fait de sa centralité, c'est autour de cette place que vit Châteaugiron, et plus particulièrement le centre-ville. Les commerces, les équipements publics, par les allées et venues des habitants. Rappelons-nous cette place telle qu'elle se présentait en amont des travaux. Si vous ne vous en souvenez pas, des panneaux sont présentés rue Francis Guiraud. Elle était un espace de transit automobile. Je rappelle que cette rue
Pierre Le Treut était la départementale, c'était la route de Janzé, initialement. Espace de vie et de rencontre. Pour y parvenir, nous avons étroitement associé à la démarche les riverains, les commerçants, les habitants. Trois rencontres et une réunion publique ont été organisées, permettant à chacun de s'exprimer et de partager ses idées. Il aura fallu de longues discussions, notamment avec les commerçants, sur la place de la voiture, mais aussi avec l'architecte des bâtiments de France. Ces échanges riches ont été essentiels pour que le projet réponde aux besoins et aux attentes du plus grand nombre. Le chantier devait démarrer au printemps 2020, mais c'était sans compter sur la crise de la Covid qui a tout stoppé. Malgré tout, le chantier a pu démarrer le 6 juillet 2020, étape après étape, je dirais même pavé après pavé, nous avons vu la place se transformer au fil des mois. Et il aura fallu presque 2 années de travaux pour offrir à la place ce visage que l'on apprécie aujourd'hui. Les unions nationales d'anciens combattants, de Nouveau-Tout, de Piret et d'Amanlis qui sont là ici avec nous. Merci à vous. Bientôt, ce bassin sera mis en eau. Bientôt, ce bassin sera mis en eau. Donc, ce sera le symbole de vie. Il y aura une eau qui circulera en permanence dans le fond de ce bassin. Le caporal Michel Duroudier avait 21 ans lorsqu'il perdit la vie à El Raïcha, en Algérie, le 3 octobre 1956. En acceptant de donner son nom au parvis de l'église et sur proposition de l'Association des anciens combattants, le conseil municipal a souhaité lui rendre hommage. C'est un hommage officiel qui sera rendu le 8 mai à l'occasion de la première cérémonie commémorative de la commune nouvelle face à ce nouveau monument et donc sur l'esplanade Michel Duroudier qui sera donc esplanade devant l'église. La période Covid. Et effectivement, Yves en a parlé, les travaux de la place des Gâtes ont affaibli chacun d'entre eux, mais ils ont tous tenu le coup. Et ça, c'est grâce à vous. Vous avez été là pour les soutenir. Un soutien, c'est indispensable, et même encore aujourd'hui. Alors venez, que ce soit à pied, en vélo, en trottinette ou en voiture, car malgré ce qu'on peut penser encore aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous disent que c'est mieux hein, et que depuis la fin des travaux, il y a des places de 30 minutes un peu partout et effectivement, c'est plus facile de stationner. Alors effectivement, on a toujours le marché, le jeudi matin où c'est un peu plus compliqué, le samedi matin également, parfois certains dimanches, mais on ne peut pas en vouloir à nos chers commerçants d'être autant convoités. Alors voilà le message que le bureau Castelactive voulait faire passer aujourd'hui. Venez toujours plus nombreux pour vous balader dans ce beau centre-ville et nous rendre visite, c'est indispensable et c'est si réconfortant pour chacun d'entre nous. Je tiens que Julien, mon grand frère, François, mon mari, cela va faire 10 ans que nous nous formons ensemble au métier de l'artisanat. On est très motivés, très heureux de reprendre l'entreprise familiale qui a été créée en 1895. La première boutique était située rue du Porche, en face de la bibliothèque. Je pense que tout le monde voit. Et mes grands-parents, j'ai pourtant tenu le... Hein ? Mes grands-parents, tout naturellement, ont décidé de... déménager place des Gâtes et nous avons fait une très belle boutique je pense et nous sommes oh bah mince et cela fait 40 ans cette année que nous sommes sur la place. On va fêter les 130 ans de la maison cette année. Alors ça, c'est super. On va vous préparer un beau petit programme, tout au long de l'année. Donc je souhaitais, pour terminer, remercier... J'ai un peu de mal avec les micros. Je suis petite, alors je le prends dans ma main, c'est plus simple. Je souhaiterais remercier Monsieur le maire et la mairie d'avoir été à notre écoute, d'avoir écouté aussi nos besoins lors de ce projet.
pour la réalisation de la nouvelle place, ainsi que Jean-Claude Beline, adjoint au commerce, qui est très présent au quotidien auprès des commerçants. Voilà, merci à tous et profitez bien, on a préparé un cocktail. C'est avec plaisir que je vous attends devant la boutique. Merci. Je vous remercie d'avoir une fois de plus choisi de valoriser votre choix du granit breton pour cet aménagement. Notre association, si vous ne la connaissez pas, fédère 19 entreprises granitières, dont 17 carrières et 14 ateliers de transformation dans toute la région. Je peux vous dire que nos membres sont très fiers d'avoir fourni le granit qui aménage cette belle place, grâce à la ville de Château-Giron qui voulait absolument un matériau local. C'est ce que nous défendons auprès de toutes les communes de Bretagne et d'ailleurs, en mettant en avant quatre valeurs qui nous sont chères. Il faut rappeler que choisir le granit de Bretagne, c'est le choix d'une fabrication locale, qui profite au territoire, à notre pays, grâce aux recettes sociales et fiscales générées par la production non délocalisable. C'est aussi le choix d'un matériau réputé, connu de tous en Bretagne et ailleurs. C'est un emblème de notre savoir-faire et de notre patrimoine. C'était... Sénateur, mais chère Françoise, cher André pour la région, et puis tous les élus, les représentants des commerces, le granit, on a fait le tour. Alors, monsieur le maire, oui, excuse-moi, j'ai oublié, j'en ai deux d'ailleurs. Mais tous les élus, déjà je commencerai par ça, pour vous dire bravo pour cette réalisation. Alors étant en tant que président du pays de Château-Giron et passant souvent sur cette place, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur ce projet-là. Mais au final, on doit vraiment vous féliciter parce que le résultat est là. Alors le pays de Château-Giron, on l'avait tout à l'heure, mais c'est un territoire d'avenir avec des communes de caractère. Et ça, on y est très attaché. Le caractère des communes est quelque chose pour nous d'essentiel. Une communauté, elle vit avec ses communes. Et ici à Château-Giron, alors bien sûr, petite cité de caractère, je ne peux pas passer à côté de cette identification, ce label. Et Françoise, je sais que tu y es très attachée, mais je dirais qu'au fil des années, tu m'as amené un petit peu dans cette histoire-là et dans ce périple-là. Et je dois dire qu'on le dit souvent aujourd'hui, la cité de caractère, c'est un peu le centre de notre territoire et de notre pays. Le pays de Château-Giron est aujourd'hui identifié à travers ses communes. Et puis ici, à Château-Giron, la cité de caractère, eh bien, elle rayonne au-delà de notre territoire. On a parlé du tourisme. Alors je profite, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a l'office du tourisme intercommunal qui est juste en haut de la rue... j'ai perdu son nom, mais... La rue nationale. Et l'office du tourisme intercommunal, eh bien, il est placé maintenant au milieu de tout ça. Et les gens qui passent sur le territoire, les touristes et même les habitants du territoire, à chaque fois, se rendent compte que même ici, il y a une qualité architecturale très intéressante et l'histoire de Château-Giron, bien ça fait rayonner aussi toute l'histoire de notre pays, de notre territoire, et ça c'est très, très intéressant. Donc en tant que président, moi je suis heureux d'être là aujourd'hui. C'est vrai que la communauté de communes, on a participé, mais ça fait partie de nos objectifs, accompagner nos communes de façon importante sur ce projet-là. Mais le résultat est là, ce sujet du granit breton, vous l'avez soulevé, et c'est vrai que on parle beaucoup, cher André, de développement et de développement local, eh bien là c'est une preuve, c'est un résultat par la preuve qu'effectivement on peut ici faire de très belles choses. Moi je vois plein de petits détails sur cette place. Je parlerai d'une chose, c'est l'accessibilité. Parce que vous étiez sur un territoire contraint, moi je suis assez vigilant à ces sujets-là et je vois que vous avez même réussi à intégrer ces thématiques-là qui ne sont pas simples. Et qui ne dégrade pas du tout. Donc bravo à l'architecte qui a disparu, mais à toute son équipe. Voilà. Félicitations à tous et toutes. Et en tant que président du pays de Château-Giron Communauté, on est très fiers de cette réalisation. Parce que aussi, on sait que Château-Giron, c'est le cœur de notre territoire. C'est l'image aussi de notre territoire. Donc bravo pour cette réalisation. Et surtout, belle soirée, bel après-midi à tout le monde. Et... encore félicitations aux élus qui se sont investis sur ce sujet-là. Je vois Jean-Claude et Yves, mais aussi j'en vois plein d'élus qui ont dû travailler sur ce sujet-là. Bravo à vous et très belle journée.